Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen très matinal, très 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 matinal. Mais en même temps, il y a 3.7 qui est sorti sur la première vague du PTU. Donc, c'était l'occasion rêvée de refaire un petit stream. Je suis désolée si ma voix est un peu bousillée et si je me mouche beaucoup. En fait, j'ai eu la crève toute la journée de hier et je l'ai encore un peu ce matin. Donc ça va être un peu compliqué. C'était le relâchement avec le retour de mon chat. Et en tout cas voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, on va déjà commencer par regarder la customisation de personnage. Je voulais commencer par vous montrer Star Marine. Mais ils ont enlevé le mode je sais pas s'ils ont enlevé ça uniquement pour le PTU. Mais ils ont enlevé le mode qui permet de jouer seul sur les cartes, ce qui est un peu dommage. Salut Roxy, d'ailleurs prête à découvrir cette 3.7. Ah ben, très 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 prête, Lavunia. Et donc, on va déjà voir la customisation. Alors, hop. Donc voilà, donc maintenant, je suis censée choisir ma première tête. Ma tête de base. C'est bon, on voit où la tête a été découpée. Voilà, on va essayer de partir de ça. Ok. Donc maintenant, j'applique une peau. Maintenant, ça applique pas la peau là, ça applique la tête complète. C'est pas mal, ça permet d'adoucir un peu les traits. C'est vraiment, ça réduit les oreilles. J'aime beaucoup l'espèce de surbrillance là. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut choisir maintenant du coup ce qu'on veut, quoi. Hop, si je veux le nez. Je cherche parmi les têtes dispo. Putain, je connaissais pas celle-là. Ah, ça c'est chiant. Si je tourne la tête. Deux trucs ici. Et comment je fais pour la couleur des yeux maintenant? Ah, change color. Parfait. Bon, c'est un peu moins pété quand même que l'ancienne version. Tu fais choups. Oh. J'hésite à mettre une coupe de cheveux comme ça. Snoopy Cat. Ça, c'est vraiment dégueulasse quand même. J'espérais qu'ils ajouteraient de. J'espérais qu'ils ajouteraient de nouveaux trucs pour la 3.7 pour les persos féminins qui sont toujours un peu. Délaissé, je trouve. Allez, je vais prendre le même que d'hab, tant pis. Roxy Matinelle, donc. Ah bah, il y a la 3.7, il n'y a pas le choix. C'est une Linksite. Ah, il y a un petit dé pour faire aléatoire. Ok. Ouais, bon, ça c'est le truc un peu pénible, c'est quand on clique sur la tête pour la bouger. Y a quelque chose qui me plaît pas encore, mais je saurais pas dire quoi.
Allez, on va accepter comme ça. On va pas y passer des heures. Donc ouais, comme dit, le truc triste un peu, c'est que je voulais vous montrer le Star Marine. Mais il n'y a plus l'option qui permet de jouer seul. Donc je suis un peu tristesse, pardon, je ferai ça avec quelqu'un d'autre pour vous faire visiter. En son temps. J'aurais pu commencer par le hangar pour vous montrer le Banu Defender. Il y a des bruits un peu étranges. Alors, on va commencer par regarder combien on a d'argent. Plein. On est riche. J'irai jeter un oeil pour les fringues aussi, pour voir justement s'ils ont ajouté des choses pour les nanas. Ah bon, là on n'a rien de spécial. Salut Bieber, 555. Hop. Alors je fais juste un petit tour ici, histoire de voir. Je suis sûre qu'ils l'ont pas fait. Oh putain. Ça c'est nul. Pardon. Ça c'est nul, CIG. Parce que là, ça veut dire que moi je vais devoir attendre 3 mois de nouveau. Enfin, 3 mois s'ils l'échangent à la 3.8. Hein. C'est-à-dire que je vais devoir attendre au moins 3 mois pour espérer avoir des fringues un peu sympa, quoi. Bouh, CIG, bouh! Alors. Tu. Je suis pas fan. Est-ce qu'on va pas se mettre la veste Death Stranding? De se mettre un truc comme ça? Pantalon, il est dégueulasse. Grave, c'est complètement Death Stranding avec la petite caisse qui bouge. Ça je m'en fous. Allez, je vais aller m'acheter une armure histoire de pouvoir explorer l'univers sans être emmerdé, et après on commencera notre petite visite du Banu Defender qui est arrivé. C'est la vache, ça canarde dehors. On achètera le nouveau flingue aussi. Ah bah tiens, la nouvelle combinaison. Là on va l'acheter. Du coup, il y a différents types. Allez, est-ce qu'on se fait un truc cosmonaute de l'espace? Ce qui ne veut rien dire.
Je vais me mettre en mode. En mode DDE de l'espace. La caisse jaune me fait penser un peu à la bonbonne d'oxygène des cosmonautes. Ouais, un peu. Alors. Je vais mettre ça en dessous. En casque. Tac. Tac. Alors, c'est pas exactement la même couleur, c'est dommage. C'est pas mal comme ça, non? Allez, on va tenter comme ça. Et alors, faut qu'on regarde si c'est un multi-tool ou pas. Oh, génial, il y a les lasers. J'achète tout, moi. Je veux un laser. Alors, je vais déjà regarder les armes. Tout, 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 ah, il n'y a plus que deux grenades. Il y a quelqu'un qui a tout acheté. Oh, fais chier! Y a quelqu'un qui a tout acheté? Ah, il y a un salvo. Allez, on va prendre un salvo. Non, je peux pas acheter le salvo. Pourquoi? Ah, oh, c'est buggé. Ça me l'avait déjà fait, ça. Quand tu appuies sur un truc qui est plus disponible, après, tu peux plus rien acheter. Je sais pas pourquoi. Alors, ça on va acheter aussi. Good purchase. Ça on va acheter. Ça on va acheter. Et il me faut des munitions pour le salvo. Là. Plus rien, c'est le désert. Nice choice. Ah, le silencieux, tellement il me faut un silencieux. Hop. Ah, mais le multitool, il n'y est pas. Donc, il va falloir qu'on aille à. Bah, je sais pas où il est. Je sais qu'il est à Lorville, mais je sais pas s'il y en a sur les. Sur les restops. Ok, on va se faire un petit tour en bas nous. Ah non, me dis pas qu'il y est, que je l'ai pas. Non, la tristesse, je l'ai pas. Bon, bah, je trouverai un moyen de vous faire visiter le Banu Défendeur. J'ai le prospecteur, par contre. Cool. Bah, sinon, on va tester la location. Alors, pour Lissard, je peux rien louer. Du coup, on va tracer à leur ville. Ah, est-ce que je vais d'abord aux grottes? Non, allez, on va aller faire un tour à leur ville. On ira sur les grottes à Hurston et pas à Démarre, du coup. On va faire ça comme ça.
09. Piu 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 piu. Bon, je rappelle que ah mais j'allais dire je rappelle qu'il y a eu beaucoup de changements à cette mise à jour, mais en fait ce que je vais faire c'est qu'on va regarder le patch note ensemble pendant le trajet. Oh, le son est beau. Il y a des changements sur le son. Ah ouais. Ok, il y a des gros changements sur le son. C'est impressionnant. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a mon vaisseau qui fait des trucs bizarres. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Okay. On va regarder le patch note ensemble. Je vais voir s'il est dispo. Si je me fais pas arrêter dans le jeu, non, c'est bon. Alors, est-ce qu'il est dispo le patch note? Ok, non, il n'est pas encore dispo. Donc, je vais vous le lire d'ailleurs, du coup. Parce que j'y ai accès, mais ailleurs. Mais si, je l'ai, c'est bon. Ok, alors je vais vous l'afficher tout de suite. Hop, voilà. Donc, le patch note de la 3.7. Alors, test in focus. Donc, c'est en gros, c'est ce qu'on doit tester principalement. Le Banu Defender, mais du coup je l'ai pas, c'est un peu la tristesse, mais ah peut-être que je peux l'acheter à leur ville, ou le louer, ou un truc comme ça, je vais essayer de faire ça. Les grottes et les missions des grottes. Balance ton hashtag ton chat. Le minage FPS, forcément, les objets récoltables et l'inventaire personnel. L'interdiction d'atterrir au tour de contrôle avec le Crimstat, la location de vaisseau, faut tester les variantes du Vanguard, faut tester la nouvelle carte dans Star Marine, faut tester le Proximity Assist et le manuel VTOL, que j'ai oublié de binder d'ailleurs, faut que je le fasse, vu que j'ai un Conny. Faut tester les nouveaux Pirates Swarm. Faut tester les nouvelles attaches des armes. Il faut tester la nouvelle customisation de personnages. Il faut tester le partage de missions, les nouvelles récompenses et les balises d'intelligence artificielle. Alors, les problèmes connus.
Pardon. Les problèmes connus, il y en a plus que de nouveautés. Mais attends, il est bizarre leur patch note parce qu'il n'y a même pas écrit les nouveautés qu'il y a dedans. Ah si, après, ok, d'accord. Alors, problème connu. Il y a des collisions qui empêchent de rentrer dans le Defender, mais il est jouable dans Arena Commander pour ceux qui l'ont acheté. Les joueurs avec un niveau de Crimson de level 1 ne peuvent pas sortir d'un hangar de leur ville et d'Area 18. Les changements à faire sur le personnalisateur de personnage n'apparaissent pas dans le PU. Alors, si on équipe des nouvelles armes de la marque Kronog sur les vaisseaux, ça pose problème sur le roulis du vaisseau. Le Snoopy Cap, donc le chapeau à la Snoopy, apparaît dans les propositions de cheveux sur la personnalisation de personnage. La description de l'Archimède contient des morceaux de texte placeholder, donc c'est-à-dire qu'ils sont censés être remplacés. Alors, les indicateurs d'ennemis peuvent parfois être vus à travers le sol dans la carte de Star Marine d'Emian. Bon, vous entendez que j'ai le nez pris, hein. Je suis en train de galérer, je suis désolé. C'est possible qu'un vaisseau devienne ne réponde plus après un camp de travel. La zone crue L5 apparaît comme obstruée depuis plein de directions. D'accord, le freelancer dur n'apparaît pas correctement quand vous le faites apparaître et il est en général inatteignable. Le freelancer Miss rebondit sur le pad où il a été appelé. Darnelly, donc ça c'est le donneur de mission à leur ville, utilise le mauvais audio quand il vous donne une mission. Les balises des PNJ donnent parfois une mauvaise distance. Voilà. Alors, ok. Les joueurs ne peuvent pas compléter la mission de Clovis Darnelly après avoir tué un joueur opposé qui possède la lame de d'ordinateur. Alors, les boîtes de missions de maintenance disparaissent lorsqu'elles sont prises et posées. Ça en fait des problèmes. La vidéo de la tour de contrôle, enfin de la tour d'atterrissage, ne fonctionne pas. Il y a du noir à la place. Les IA qui naviguent à travers les routes de Quantum se retrouvent très souvent coincés. Donc c'est possible qu'on les croise pas. Ah, oui, d'accord. Si on essaye d'atteindre une destination depuis l'orbite d'Arcorp ou une des lunes d'Arcorp, ça peut faire que on se crache sur la surface de la planète. Ça, c'est un bug qui revient assez fréquemment. Alors, les vaisseaux peuvent tourner de manière excessive et devenir hors de contrôle si les ailes touchent quelque chose, en gros. D'accord, si vous vous garez illégalement et que votre vaisseau est dépop alors que vous avez une boîte à l'intérieur pour une mission, ça va détruire la progression de la mission. Alors,
Alors, les vaisseaux de sécurité d'intelligence artificielle ne sortent pas votre vaisseau correctement de Quantum Travel. Les joueurs dans un même vaisseau peuvent voir le vaisseau à différents endroits. Les textures sur la tourelle du Réclaimer sont pour l'instant incorrectes. Y a un paquet de bugs, mais bon, c'est un premier. Bah, en fait, il y avait déjà énormément de bugs chez les Evo, mais genre énormément. Alors, par contre, je vais vite enlever pour l'instant le patch, puisque je suis arrivé. Et ça va être l'occasion de tester le nouveau modèle de vol aussi. Là. Oh, il faut que je bind mon Vettel. Alors, pas flight view, flight mouvement. Toggle Vettel, d'accord, il n'est pas activé. Où est-ce que je peux le mettre? Bon, je mets un bouton random. C'est pas forcément celui que je préfère, mais. Alors, je sais pas ce que vous pensez de l'audio dans le chat, je sais pas si vous entendez la différence. Je trouve qu'il y a une différence de dingue dans le vaisseau. Vache, hein. On arrive tellement près. Alors, est-ce que je tombe? Je sors un truc. Ah, par contre, je tombe pas. Ça, c'est problématique. Ok, ça c'est un peu triste, mon vaisseau est pas en train de tomber. Donc en fait, le Vettel, ça sert à rien que je l'active. Par contre, du coup. Allez, plus l'over mode, donc. Bon, si je pointe vers le bas, par contre, là je me casse la tronche. Et là, on va activer le Vettel de l'extérieur. Ah, mais attends! Ah, mais c'est parce qu'il s'est mis tout seul! D'accord, il était activé. C'est tellement classe de pouvoir le faire soi-même. Je trouve ça génial. Et par contre, si je l'active. Enfin, si je désactive. Si je le désactive, je tombe quand même pas. D'accord, ça c'est un peu con. Donc pour l'instant, le Vettel fait joli. Il faudra attendre la prochaine mise à jour et les changements sur les réacteurs de manœuvre, du coup, pour qu'on ait un impact. Donc là, ça veut dire que la 3.7, ça va être free vol. Vous faites ce que vous voulez. Merci pour le following, Kirap. Merci beaucoup. Par contre, bonne nouvelle pour vous, ça veut dire que vous allez pouvoir vous poser sans aucun problème. Alors, normalement, les zones de restriction ont aussi été retouchées. Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure. J'aurais presque envie de dire que le niveau de détail a été changé à leur ville aussi.
pas ce que vous en pensez. Je trouve ça vachement plus beau qu'avant, perso. Salut, Carap. Alors, je vais essayer de m'approcher de la zone de restriction, voir si ça a été changé. Pour moi, elle est plus basse déjà, non? Ou alors c'est un bug, je la vois pas et je vais crever. Parce que mine de rien, je suis... Oh, voilà, elle est là, ok. On l'a vu, elle est là. Hop là. Bon, mauvaise nouvelle. J'espérais que les coms soient réparés. Apparemment, c'est pas le cas. Ça, c'est pénible. Voilà, le son est un peu étouffé. Mais du coup, on peut de nouveau se pencher. C'est-à-dire que les atterrissages vont être très rapides. Voilà, c'est un peu plus rapide pour atterrir qu'avant. Hein? Il me semble qu'ils ont changé la direction des textes. Une mémoire, elle était plus haute, tu ne pouvais pas te balader aussi près des immeubles. Il me semble aussi, hein, Bonia. D'équiper mes trucs vite fait. Ah merde, j'ai pas racheté de map pen. J'en rachèterai ici. Pas grave. Alors. Je vais mettre un laser sur mon truc. Hop. Ah mais non, je suis bête, il faut que je mette le nouveau pistolet. Je vais mettre le salvo. Non, c'est pas ce que je vais faire. Tac. Hop, on va mettre une petite lampe. Enfin, je vois s'il y a des... Ah non, à mon avis, il n'y aura pas de silencieux ici. Vu qu'on est à Lorville.
Y a rien qui concerne les armes. J'aurais peut-être dû m'arrêter en orbite au rest stop. Bonjour, monsieur l'agent. Alors, je suis très étonnée. Vraiment. Je pensais qu'ils mettraient les nouvelles interfaces sur les ascenseurs à la 3.7. Je suis très étonnée qu'ils ne l'aient pas fait. Vraiment. Ah, ça, c'est un peu dommage. La location de vaisseau, j'aurais bien aimé que ça se fasse ici. Alors. Bon, apparemment, il n'y a pas de Banu Defender. Est-ce qu'il y en aurait en vente? J'ai hâte qu'ils ouvrent les portes ici. Hein. Ce qu'il y a. Ah non, il n'y a rien de nouveau. On va voir à l'achat. Dommage. Tu vois, les prix sont corrects à la location. Je suis même pas regardé les prix en vrai. C'est pas bien. Alors, je vais regarder les prix. Alors, un Avenger Titan, c'est 15 000. Ouais, le Prospector, 41 000. Donc, c'est plus cher que ce que je pensais à la base, mais... ouais, je sais pas. 40 000 pour un Prospector, ça fait cher encore, je trouve. Vraiment. Trente jours, ça fait 700 000. Ouais, je pense que ça pourrait être à peine plus cher. JPEG, il est pas là ce matin. Ah si, en fait, il était pas là. Et il vient de se mettre. Ok. Je vais baisser un peu. Voilà. J'avais pas activé sa caméra parce qu'il était pas là tout à l'heure. Donc voilà. Vous pouvez profiter de JPEG. Faudrait que je dessine un petit cadre pour mettre autour de sa cam avec une forme de panier de chat ou je sais pas quoi. Ah, il y a des mutants. Faut flipper. Ici aussi, il y a des mutants. Waouh! C'est Agent Smith. Bah, c'est pas le chat de la famille, lui, c'est le patriarche. C'est le grand chef de la famille des chats. Et là, il y a mon petit qui est rentré. Oh! Dis-moi que c'est un PNJ. Il y a des PNJ! Il y a des PNJ dans le métro! Wouh! C'est trop classe! Je suis trop contente!
2000 pas trop pour le Defender, il est encore tout cassé et inutilisable correctement. Ouais, mais bon, si je peux le montrer, c'est toujours bien. Et ouais, non, mon petit dernier, j'hésite à aller le chercher, à vous le montrer, là, celui qui s'est fait blesser. Je l'ai récupéré hier. Donc j'ai pas mal de soins à lui donner, je dois lui donner des antidouleurs, je dois lui mettre de la crème, je dois surveiller son œil, je dois le nettoyer en permanence. Et lundi, je dois le ramener chez le véto pour le faire opérer. En fait, ils vont faire une exploration de la mâchoire pour voir si les dents n'ont pas été touchées et s'ils peuvent faire quelque chose pour la maxillaire. Il est beau lui avec sa capote géante sur la tête, je trouve aussi. Ah, c'est trop cool. Non mais des PNJ, c'est ce qui manquait dans le métro, je trouve. Alors lui, il marche d'un pas déterminé. Je suis déterminée. Et je regarde le mur parce que le mur, c'est joli. Attendez. Quelque chose qui a changé, non? J'ai l'impression que c'est pas comme d'habitude. Alors c'est parce que j'ai trop l'habitude de partir de leur ville et pas d'y arriver. C'est possible aussi. Je vais être chiant, mais il faut que le PNJ puisse sortir du métro, sinon ça fait pas logique qu'il reste après l'arrêt. Non mais t'as raison, hein. T'as tout à fait raison. C'est juste que je suis déjà très contente parce que ça commence à briser la différence entre les joueurs et les PNJ. Par exemple, aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, pour connaître un joueur, c'est facile. C'est les seuls qui prennent des métros et des vaisseaux. Ou alors c'est les seuls qui restent en train de fixer un truc tous dans le sens. C'est super flippant! En vrai. On dirait qu'ils sont tous contaminés par un ver extraterrestre. Gloire As Bravrock. Gloire As Bavrock. Peut-être qu'ils attendent aussi le gameplay, donc ils s'occupent. Va savoir, c'est peut-être un PNJ qui aime le transport en commun. Pas faux. C'est tellement flippant. Vous imaginez si vous croisez un jour des gens dans la rue qui sont comme ça? Ah, je crois que y a la tour de contrôle qui me dit qu'il dégage mon vaisseau. Ça a tout changé. C'est que je cherche. Ensuite, ça. Torch cutter, ok. Perfect. Oui! Ça, je vais les acheter via la console. Je pense que ce sera toujours mieux. Alors, utility. Ok. Ah bah si, ils ont quand même des trucs. Ok.
The Clan des Silencieux, tout ça. Mais attends, c'est nouveau ça? Depuis quand il y a des armes à leur ville? Ok, étrange. Je peux en racheter là. Je vais en racheter ici. Ah, non. Alors, bon, ça c'est le petit truc à la con du coup. Parce que je vois qu'il y en a encore là et je peux pas en acheter. Allez, on va dire que c'est le modèle de présentation. C'est pour ça. Cette porte, elle m'intrigue quand même. Vraiment, cette porte, elle m'intrigue. Un jour, je saurai ce qu'il y a derrière. Alors. Ah, ça c'est dommage, je peux pas équiper le multi-tool et le bâton lumineux. Je trouve ça un peu con. Attends, j'ai pas d'oxypène, tu te fous de moi? Merde. Bon ben, attendez, je vais acheter des oxypènes aussi. Ils réfléchissent à un moyen d'utiliser les deux en même temps. D'accord. Bah merci, Argonomiste. Bah, je pense qu'il faut, parce que c'est un peu con, quoi. Après, c'est le problème aussi avec les inventaires, avec des emplacements comme ça. Qui est un très vieux système dont on a hérité. À cause des RPG en fait pour l'équilibrage. Et quand tu veux essayer de faire du coup des RPG un peu réalistes, tu te confrontes vite à des débilités comme ça. Parce que c'est une débilité, hein. C'est-à-dire... Youh, cool. Bon, alors, qu'est-ce qu'on prend comme vaisseau pour se promener sur Hearthstone et trouver des grottes? Je teste très bien le Reliant pour voir s'il est moins buggé. Alors, tu en sors un, tu le lances par terre et tu le ranges dans ton sac à dos. Ouais. Mais ça, c'est une tricherie, c'est pas un truc pratique. Oh là, pardon, ça fait des. Ça m'a fait un retour Windows, désolé. Bon, j'irai peut-être me refaire un café un moment, j'espère que vous me pardonnerez si je disparais. Le reflet dans la vitre est très très beau. C'est dommage, j'existe pas dans la vitre. Est-ce que ça veut dire que nous sommes des vampires dans l'univers de Star Citizen? Nous sommes tous morts et nous ne le savons pas. Bon. Retour de Roxy.
Alors, je me posais une question et j'aimerais bien votre avis. Pour aller visiter les grottes, à la base, je voulais pas prendre une mission pour y aller spécifiquement. J'avais envie de voler un peu pour essayer d'en trouver une. Mais en même temps, ça peut être très long parce qu'il n'y en a que 5 sur Hearthstone. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Alors, est-ce que vous préférez que je prenne une mission? Comme ça permet de tester la mission en même temps et de trouver une grotte plus vite. Ou est-ce que vous préférez que je vole un peu et que j'essaie de trouver ça? Oui, effectivement, j'ai vu ça, Ergonomist, dans le dernier patch. Tu as tout à fait raison, ça m'était sorti de la tête. Alors, qu'est-ce que je prends comme vaisseau? Allez, je vais prendre mon Reliant. Ça fait une éternité que je l'ai pas pris. Mais sans la mission, une pointe sous, tu peux très bien ne jamais en trouver avant la sortie de la 3.8. Ah ouais, carrément! Carrément! Je n'ai pas du tout regardé le hangar. Ah merde! Quelqu'un a vu le numéro de hangar? Bon, vous avez l'habitude avec moi. Chaque fois que je stream le matin, c'est une catastrophe. 42, bien sûr! La réponse universelle. Non, sans déconner, il n'y a personne qui l'a vu. Si vous essayez de faire un clip, vous pouvez peut-être essayer de le voir. Moi, je vais tester Hangar 6. Je suis sûr que c'est ça. Bon, peut-être pas. C'est pas Hangar 10. Pour explorer un max de 10 kilomètres, il faut voler haut. Mais si tu voles haut, tu ne verras pas l'entrée. Mais pour les voir facilement, il faut voler bas. Mais dans ce cas, tu voleras pas vite et tu n'exploreras pas grand-chose. Tout à fait. Tu as parfaitement raison, Ergonomiste. Ou alors, il faut un vaisseau très rapide en atmo, quoi. Tu as un sabre ou un gladius? Non. Non, non, non. Après, il y a les lunes. Sur les lunes, tu peux voler un peu plus vite, mais c'est vrai que sur Hearthstone. Je crois que j'ai bon. Oui! Heureusement qu'il y a les nouveaux ascenseurs, hein. Tu peux acheter un sabre ici. Ah, il faudra que j'en achète un d'ailleurs, effectivement, parce que j'aimerais bien commencer tout doucement à m'en prendre un. Y a mon téléphone qui me parle. Alors, je vais juste voir un truc. Pénible. Ouh, ça fait n'importe quoi. Allez, fais pas chier.
J'avais envie de voir comment ça rendait la caisse dans le siège. Du coup, elle passe bien à travers. Oh! Il y a une animation complètement stupide! C'était n'importe quoi l'animation, mais c'est cool qu'il y en ait une. Ah, par contre, les gants, il y a un peu de clipping là, c'est pas. C'est pas topi top ça. Oh, ça va être cool de pouvoir revoler maintenant et de plus se casser la tronche. Salut Zouz! C'est-à-dire que maintenant je peux refaire cette connerie-là. Je peux me remettre comme ça et y aller à fond. On va mettre la vitesse de croisière. Écoute, Zebunia, pour l'instant, je vais prendre une grotte qui est indiquée. Ce sera quand même plus simple. Je connais pas. Est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est ça. Bon, je sais pas ce que c'est. Je vais aller voir ce que c'est. Ça m'intrigue. Je crois qu'ils ont dupliqué l'animation du Gladius sur tous les vaisseaux. D'accord. Bon, après c'est toujours sympa hein, d'avoir les trucs qui bougent, mais c'est vrai que c'est un peu con quoi. En voir, les ailes se mettent à l'horizontale. Petite joueuse. Ah non, mais c'est. J'essaierai d'en trouver, mais c'est vrai que là, je peux pas me permettre. Attention, tout le monde m'a dit que du monde s'amuse à kill à l'entrée des grottes. Mais évidemment. C'est tellement rigolo de tuer des gens sur le PTU. Bon, je vais pas vous mentir, le hover mode ne me manque absolument pas. Ah, c'est. Mais genre vraiment pas. Demande à être évo, on est tellement bien entre gens civilisés. Mais j'imagine, justement, des gens qui se concentrent sur le test plutôt que de s'amuser à faire chier le monde. Ça, c'est un truc en fait avec où je me prends beaucoup la tête avec pas mal de gens, justement, où ils me sortent ah, mais tuer les autres, ça fait partie des tests aussi, machin. Enfin, toutes les excuses possibles et imaginables qui sont plus stupides les unes que les autres. Il freine un peu mieux qu'avant le Reliant. C'est clair que c'est tellement frustrant de passer 3 quarts d'heure juste pour décoller de leur ville. Aïe. Après, soyons clairs, je suis pas pour que ça reste comme c'est là non plus. C'est-à-dire que je suis d'accord avec CLG sur le fait qu'il faut trouver un équilibrage pour empêcher de pouvoir se mettre en piqué et de tirer comme on a envie. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec les courbes de moteur. Mais l'overmode n'était pas la bonne solution. Ça, je. En tout cas, pas tel que ça a été mis. C'est-à-dire que.
Bah, vous m'avez vu beaucoup cracher hein, sur l'overmode, c'est-à-dire que j'estimais qu'il était foireux, mais je comprenais aussi le besoin de mettre ça en jeu, et qu'il y avait des choses intéressantes, il y avait vraiment des choses intéressantes. Par contre, c'était peut-être pas la bonne solution. Tiens, il y a un vaisseau, cool. Un Vanguard. Je leur fais confiance sur les propulseurs de manœuvre en atmo. Ouais, moi aussi, vu ce qu'ils ont décrit sur le fonctionnement des courbes, ça me paraît vraiment cohérent. Ça me parle plus que l'overmode, quoi. Ça me paraît vraiment... L'overmode, j'étais là, ouais, ok, pourquoi pas, machin. Il y avait des trucs bizarres. Alors que la courbe de puissance des moteurs de manœuvre, ça me parle. Vraiment, ça me parle, je trouve ça cohérent, quoi. C'est-à-dire que t'as pas de VTOL, bah, ton vaisseau descend tout doucement, tu le mets vers l'avant, bah, il pique vers le sol, sans qu'il y ait vraiment ces espèces de flottements bizarres, et on remet le contrôle dans les mains du joueur. C'est-à-dire que si t'es un bon pilote, tu pourras faire des choses... Et si t'es pas un très bon pilote, ben juste tu te contentes de piloter, point quoi. Et j'aime vraiment cette idée-là, quoi. Étant pilote de gros vaisseau, ça me plaît bien de devoir gérer mon Kraken sur stand. Complètement, complètement, c'est ça. Il y avait vraiment ce côté, t'actives les VTOL toi-même. C'est à toi de faire attention sur le fait que ton vaisseau est en train de tomber en permanence. Ça, c'est des choses qui me plaisent, quoi. Moi, ça me parle. Tu vois, par exemple, si je coupe les moteurs, de me dire que, ben, avec la future gestion des moteurs, mon vaisseau, là, il tombera, tout simplement. Et ce sera à moi de faire attention à la gestion de ce que je suis en train de faire, quoi. Et si je veux mettre du VTOL... Tac, sur le Reliant, je le fais. Ça me plaît, quoi. Pouvoir tourner les moteurs sur mon Reliant et me dire ça me permet de me maintenir, mais ça me coûte du carburant. Je trouve ça génial, vraiment. C'est... Ouais, ça me parle. Je comprends, j'adhère. Je me vois tout de suite en train d'essayer d'améliorer mes compétences en pilotage. Alors que le hover mode, t'avais des restrictions en fait à cause du modèle de vol et le système t'empêchait de faire certaines choses. Et ça me plaît pas. J'ai envie que le joueur puisse prendre des risques. Je trouve ça vraiment plus pertinent. Par contre, on voit déjà ce principe, si tu sens les propulseurs du prospecteur sur Hearthstone, le machin tombe vers l'avant alors que le petit rétroprop sur le toit ne suffit pas pour le tenir. D'accord, ok. Non, puis ce qui est cool, c'est qu'on peut de nouveau viser aussi des zones comme ça, quoi. Pouvoir viser de nouveau des zones un peu petites comme ça, c'est super cool, quoi. Enfin, petite façon de parler, quoi, mais avec le VTOL, enfin l'overmode, c'était assez compliqué. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont changé les lumières aussi.
Et je crois que maintenant, quand on coupe tous les systèmes, ça coupe les moteurs aussi. Ça, c'est très, 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 très cool. Je faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, justement, dans un live. Je disais que justement, ça coupe pas les moteurs. Enfin, ça coupait pas les moteurs dans la 3.6, c'était un peu chiant. Alors. Juste que je regarde quel est le binding pour les lampes torches. Avec les nouveaux attachements, est-ce qu'ils l'ont mis? Ah, use under barrel attachment. Ok. Trop classe. Je suis fan. Ils ont effectivement pas mal retravaillé certaines lumières, mais surtout le son des vaisseaux, on entend bien sûr en overing. Ah, mais tout à l'heure, le Conny, la voix qui me parlait, je l'ai entendu, hein. Il n'y avait pas photo. J'adore ce genre de petits détails. Ah, la lune là-bas. Faudra que je teste ça. J'ai pas testé le proximité assist. De toute façon, là je vais passer la journée sur le jeu. Hein, donc on va essayer de voir un maximum de choses. Juste ce soir, je ferai la trad live. De Star Citizen live. Donc je jouerai pas pendant 2 heures ce soir. Mais je pense que si je suis pas trop claqué à cause de la crève, je jouerai encore après la trad live. Donc j'aurai le temps de tout voir. Bon, en tout cas, l'intégration des grottes est vraiment pas mal, hein. Ça a de la gueule. On va tester. Ah, du petit truc à ramasser. S'il y a un autre joueur qui est venu, je suis étonné qu'il ait pas essayé de ramasser ça. Allez, maintenant on va écouter les nouveaux sons des grottes. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. L'ombre, elle est sublime. Je montais un peu le casque. Pense à te soigner aussi. Ah, j'aurai le temps de me soigner, t'inquiète pas, le bonheur. La priorité, c'est vous. Merci pour le follow, ergonomiste. Avec la vibe, ça doit être assez phénoménal aussi dans les grottes de gueuler. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je suis peut-être en train de louper des rochers minables. Sont terribles. Mais la taille des grottes, c'est. Moi qui ai l'habitude de. Il n'y a personne, je te répondrai.
Moi qui ai l'habitude des grottes d'en haut, qui sont à chier, hein, faut être honnête. Je trouve que ça a une gueule phénoménale. À peine trop de lumière encore, là je trouve. Attends, merde, c'est un joueur ça. Le travail sur les roches est vraiment réussi. J'ai passé 1 heure et demie dans une grotte la semaine dernière. Par plaisir ou parce que tu t'es perdu? Ah, tu veux que je tire? Pas de soucis. Magnifique. Tiens, ça va être l'occasion de tester le salvo aussi. Il fait un petit son de merde quand même, lui. On dirait un petit pétard mouillé. C'est exactement ça, Lixit. Bon, la visée x1, elle est pas mal. On va tester le laser s'il est précis un peu. Pas mal, hein? Le laser, je suis très très fan, vraiment. Surtout qu'ils n'ont pas fait un truc tout droit, ils ont fait comme si ça touchait des particules pour qu'on puisse le voir. C'est plutôt bien joué, je trouve. Magnifique. Vraiment. Oh. Les ambiances de brume là. C'est terrible. C'est les plus belles grottes que j'ai vues de toute ma vie dans un jeu vidéo. Et quand je dis ça, c'est dans le sens des grottes qui n'ont pas pour but d'avoir une mission dedans, quoi, qui n'ont pas été conçues spécialement pour un niveau de jeu. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Dirais que je suis dans un cul-de-sac. Et je ne parle pas de Hobbitbourg. C'était quoi ce bruit? Je crois que c'était chez moi. Du coup, ça me fait bémer quand j'entends des bruits. Je donne une astuce très simple pour pas trop te paumer dans CSI. Suis toujours le même mur comme dans un labyrinthe. Évidemment. Bien vu. Merci pour le conseil, Arganomiste. Après, il y a le truc des trucs jaunes là aussi qui aide un peu, je pense. C'est génial. Ah! Il y a quelque chose là-bas. Une autre couleur. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte qu'il y ait des cascades. Des cascades d'eau dans les grottes.
Je pense que ça peut être une belle plus-value. Quoi, c'est tout? C'est flippant! Je sais qu'il n'y a rien, mais c'est flippant. C'est vraiment bien foutu, quand même. Par contre, on dirait qu'il n'y a rien du tout ici. Là, on peut pas ramper. Oh là! Oh oh! Il veut pas se coucher, mon personnage. Les intersections à trois branches, ils savent bien les faire. La vache. Ah, mais faut pas être claustro, hein. Bien foutu avec le son et tout. C'est dommage pour mon fond vert, je suis obligée de mettre beaucoup de lumière. Parce que là, j'adorerais couper un peu les lumières chez moi. Voilà, un truc un peu plus cosy. Je pense que j'essaierai de faire ça plus tard. Regardez ce que j'ai là. Si mon perso veut bien arrêter de tomber. Non, je crois que je viens de me coincer. Oh oh. Je pense que je suis foutu. Je pense que je suis foutu. J'essaie de faire. Ils sont peut-être plus bindés, mais normalement ils sont bindés, mes emotes. C'est quoi ça? Ah non, ils sont plus. Si, ils sont bindés. Non, ils sont pas bindés. Nope. Foutu. Non. Oui. 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 Je dis oui. 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 Alors. Attends, ça va pas le faire comme ça. Je crois que je vais être obligé de le... Ouais, je suis complètement glitch. Je pense que je vais être obligé de le péter, le truc, si je veux pouvoir... Je vois rien du tout. Je sais pas comment monter la puissance.
F4, ben non, je vais pas faire Alt F4. Molette, ah, parce que j'essaie de le faire, ça marche pas. Je vois rien, je sais même pas si c'est en train de marcher. Même gameplay, sauf que je vois rien du tout. Après, je m'en doutais un peu que les grottes seraient hyper glitchées hein, quand on voit les collisions dans le jeu actuellement. On voit bien que c'est chaud. Hein. Bon, je monte la puissance, je monte la puissance, je monte la puissance. Merde, 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 merde. Fichier. C'est pénible, je vais pas tout recommencer à chaque fois, non? Ok, là j'y suis, je suis plus. Mais je vois qu'il y a le charging à droite, donc je peux tenter. Ok, là je suis dessus. Mais attends, mais il y a une latence de dingue aussi là. Une énorme latence de fou. Bonjour, Fonfon la Tulipe. Bon bah, la seule option que j'aurais, c'est limite de me faire exploser, quoi. Je crois que c'est la seule alternative qui me reste. Je vais me faire péter et puis voilà, on verra bien.
Ah, je sais, mais je vais éviter de mourir, je veux juste que ça explose. Ah bon, ça m'a tué. Ouah, par contre, ça faisait un sacré bruit. Je sais pas si vous avez entendu. Vache. C'était violent. Oh là, par contre, j'ai mon interface qui est partie complètement de traviole. Je vais être obligé d'en racheter un. Bon, bah, on va devoir racheter un truc. On va aller se racheter un multitool. Dis-moi, ça fait un moment que je ne suis pas passé en jeu. Il wipe toujours les serveurs à chaque mise à jour. Pour l'instant, oui. Ils en ont parlé il n'y a pas longtemps dans un live bah, que je te conseille de regarder, que j'ai traduit sur ma chaîne, où ils parlaient justement de l'avenir du jeu, de la persistance, etc. Et du coup, pour l'instant, ils n'ont pas le choix, mais ils aimeraient essayer d'arrêter le plus vite possible, quoi, forcément. Salut Stardocar! Dur dur les débuts de mineurs de l'espace, j'avoue. Mais là. Non, mais c'est flippant! La grotte était magnifique. Ça serait pas mal car ça arrête pas mal de joueurs les wipes. Bah oui, je comprends. T'as pas envie de te faire chier à farmer si tu sais que tout va disparaître. Je comprends tout à fait. Tu te fous de ma gueule! Le fond étoilé a changé de fou, non? Ah, je sais pas, j'ai pas fait attention en vrai. Les PNJ font partie des Illuminati. Oh, me dis pas qu'il n'y a plus de Grey 4. Je vais voir ça là quand je vais sortir de l'espace. Oh, c'est trop blaze. Merci Kyrias. 7e mois d'abonnement. Merci. Merci du fond du cœur. Hello, je passe un coup de vent alors c'est 3% de bien. Super. Super Kyrias. Bon, mais je vais pas avoir le choix. Je vais aller voir s'il y en a au point de Lagrange. J'ai pas le choix. Vache. Nous sommes les travailleurs de Hearthstone. Gloire à la famille Hearthstone. Robot mutant. Youhou! Youhou!
Ce sont pas les droïdes que vous cherchez. Hop. Bon, du coup, j'irai en Hornet histoire d'aller un peu plus vite. Ou alors, est-ce qu'on pourrait une mission pour aller à une autre grotte à la rigueur? Allez, voilà, on va prendre ce... Hé, 4000 USC! Next stop, Tisa Spaceport. Allez, on va prendre ça, ça nous permettra d'aller à une autre grotte. km, on peut même y aller en volant, du coup. Que ça fait long. Now arriving, Tisa Spaceport. Please watch your step when disembarking the train. Alors, c'est très rigolo parce que le son du métro, je trouve qu'il est moins bien. Parce que là, la voix, on dirait qu'elle est dans mon casque. Et je trouve que ça n'a pas de sens. Alors qu'avant, on avait l'impression qu'elle était dans le métro. Donc sur ça, c'est un petit raté. Allez, bon jeu et bon minage. Merci, Kyrias. Merci beaucoup. Eh, elle me rentre pas dedans. Dangereux terroriste. Ah mais j'ai dit qu'il fallait que je passe au point de la grange d'abord. Donc je vais faire ça. Ah bah tiens, les Vanguard. Est-ce que je testerai pas le Vanguard en passant? Et on va tester le Vanguard. Vanguard 1. Et tiens, je suis en train de me poser une question. Ah ben non, vous voyez, du coup, j'ai perdu tout ce que j'avais sur moi. Ok. Ok. Logique. Donc la mort commence à avoir un impact, mine de rien. Oh la vache. C'est un peu excessif comme regard. Ah, les peintures, je suis pas convaincue. Je suis vraiment pas convaincue. C'est des jolies peintures dans le sens où c'est bien rendu, c'est des belles textures. Mais la couleur, je suis pas... Par contre, cette vitre, elle est magnifique. Je peux faire pipi. Cette vitre, elle est vraiment magnifique.
toujours pas les composants. Hop. C'est cool en vrai qu'ils aient mis les animations. Comme je disais tout à l'heure, sur certains vaisseaux, ça fait juste n'importe quoi. Mais c'est toujours un petit plus, je trouve. Maintenant, je peux même sortir comme ça si j'ai envie. Écoutez, pendant que je quitte l'atmosphère, je vais vite aller me faire un café. Hop là. Je reviens tout de suite. Et re-désolée pour l'attente. J'avais vraiment besoin de me faire un café. La vache, réagit le Vanguard.
par rapport au conique avec une inertie de dingue. Le Vanguard il réagit très 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 bien. Ah. Oh, ils sont beaux les effets d'interdiction. Oh, on voit la barre de cooldown, ça c'est cool. Quoi? Ouh. Autant le cogner, j'ai mis un peu de temps à le détruire, autant le cutlass. MP dans sa poire. Bon ben voilà. On peut reprendre notre route. Justice a été faite. Merde. Roxy 1, pirate 0.
Bon, bah j'espère qu'il y aura le multi-tool. Alors, c'est cool qu'ils aient mis le cooldown, par contre, c'est pas cool que toute l'interface de saut reste. Ce serait bien qu'on ait juste une barre de cooldown quelque part qui traîne. Sur ça, il y a encore du boulot à faire, je trouve. Parce qu'on n'a pas assez d'informations justement sur les temps de refroidissement des moteurs quantiques. Ça, je trouve que c'est un gros problème. Je vois que dalle. Ah, j'avais dit que je regardais au fait le fond étoilé. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit différent, le fond étoilé. Peut-être que je me trompe, mais. Moi, je préfère, ça informe bien que le vaisseau est toujours en mode automatique et qu'il ne répond pas. Ah si, si, il répondait, hein, il n'était pas du tout en mode automatique. Je pouvais le piloter hein, sans aucun problème. C'est juste qu'il y a l'interface de Quantum qui restait. Alors, hop. Ah, fait chier. J'ai pas le choix, je suis obligé de passer par là. Par contre, il y a une nouvelle musique. Jeune ticket. Elle est magnifique. Il est vraiment bon Pedro quand même. Magnifique cette musique. Ouah, c'est de toute beauté. Les moteurs là ils sont restés allumés, chier.
Je me répète, mais je suis triste là pour les boutons d'ascenseur, vu ce qu'on a vu dans les ATV. J'étais persuadée que ce serait implémenté, les nouveaux panneaux. Tristesse. J'adore cette musique. Ah, fais chier, il y est pas. Ok, ça c'est pourri. Pourri, 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 pourri. Donc qu'il soit caché là. Ah, chier. Je pense pas que la transition à ce type d'interface puisse être partielle. Ils vont peut-être absolument tout changer d'un coup possible. Bon, tant pis. Ça fait une musique très dramatique, hein, en tout cas. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Vous l'avez vu le truc? Bon bah écoutez, on va y aller sans multitool, ma foi, tant pis. Alors, pas de 03. On va y aller sans multitool, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je testerai le minage cet après-midi, je me rachèterai un multi-tool. Et puis on verra ça cet après-midi. Celle-là, je pense que je la mettrais dans des traductions d'ATV, la musique. Elle tellement belle. En fait, je vais pas avoir le choix de d'y aller en volant. Ok. Du coup, je vais déjà aller à Hearthstone. Je verrai après. Quantum travel initiated.
Y a un peu de reflet sur mes écrans, je crois. Épilepsie! Ah. Allez, c'est parti. Voilà, c'est beaucoup de contact. Vaisseau qui bouge tout seul. Ok. Je sais pas si vous l'avez vu, mais là il y a mon vaisseau qui bougeait tout seul et qui m'empêchait de tirer sur l'ennemi. Merde, c'est un cater ça. Peut-être faire l'autre d'abord. Oh, putain. J'ai pas l'impression que je lui fasse beaucoup de dégâts au cater. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, c'est possible qu'il y ait un EMP. Je sais pas du tout. Et si un EMP, j'avoue, ah si, il y en a un. J'essaie de me mettre assez proche de lui. Alors je l'ai tiré mais ça lui a rien fait. Vous l'avez bien vu partir non là, le MP? À mon avis je vais laisser tomber.
Allez, je vais retenter. C'est quoi cette couleur? Ah, c'est moi. Marche pas. Bon, mais je vais partir, ça sert à rien. Dommage. Allez, meurs. Ok, donc normalement il y en a encore un. Les missiles, ils font pas beaucoup de dégâts quand même, hein. Bon, les IA, elles dorment un peu, hein. Faut être honnête, elles sont pas super difficiles. De quoi? Je suis encore hacké? Étrange.
pense que je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de voler en atmosphère. Stop. Vous en pensez quoi des peintures, vous? Oh, joli dégât par contre. Oh, ça c'est super beau. Ah, ça c'est le truc que j'adore dans ce jeu. Les trappes de missiles et on voit les missiles qui sont partis, je trouve ça génial. C'est pour ça que j'aime ce jeu plus que tous les autres en fait. Pour ce genre de détails, vraiment. Salut Shark Noir! Salut, j'espère que tu as pris des lumières pour retrouver ton chemin, petite poussette. J'en ai pris. Mais ça va, j'ai un bon sens de l'orientation, donc je. Il y a peu de chances que je me perde, je pense, dans les grottes. Je peux me tromper, hein, c'est possible que je me retrouve complètement paumé, mais. De ce que j'ai vu pour l'instant, ça va. Ah, comme dit les couleurs, j'ai du mal, ça fait un peu vieillot, je trouve. Suis pas pleinement convaincu. On en reparlera, pas de soucis. Oh, qu'est-ce que ça me fait du bien d'avoir cette 3.7 enfin! Je vais enfin pouvoir rejouer à Star Citizen. Lui d'ailleurs, je précise, vu que la 3.7 est sortie, je vais beaucoup, 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 beaucoup streamer les prochains temps. Donc, vous me verrez. Souvent connecté et être sur la 3.7. Voilà, on a un peu de trajet. Il n'y a pas un petit coussin? Mais pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il ait un coussin? Il est sur ma livebox. Je vais pas lui donner un coussin en plus. Mais du tout. Et du coup, quand je vais arriver, je vais tester un petit peu le proximity assist aussi, histoire de. Bon, j'espère qu'ils vont régler le problème du chat aussi, un de ces quatre, parce que quand on passe de la vue F4 à la vue FPS, c'est pénible d'avoir le chat qui revient sans arrêt. C'est vraiment très 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 chiant.
J'ai l'impression qu'ils ont encore amélioré l'atmosphère de Hearthstone, non? C'est une impression. Pas le seul. C'est ce qui s'appelle de la pollution. C'est presque flippant de voir que l'altitude baisse et qu'on voit toujours pas le sol. Est-ce qu'il y a encore un sol sur Hearthstone? Alors là, clairement, je vole aux instruments. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. J'ai l'impression que je distingue légèrement une rive par là-bas. Il y a quelque chose de très angoissant quand même, hein, dans le fait de pas de voir ce qui se passe. Bon, on va vite voir aussi ce que c'est que cette histoire de proximity assist. Parce que mine de rien, je l'ai pas encore testé. J'ai du mal à comprendre ce que ça fait exactement.
Je comprends pas. Je vois pas ce que ça change en fait. Je sais pas. Je suppose qu'il y a quelque... Je suis censé y avoir quelque chose de différent, mais... Là, je vois pas. Ça c'est intéressant. Pourquoi pas? Ça c'est pénible. Il ferait mieux de faire comme ils avaient fait au début. De mettre des boutons à un endroit précis qu'on sache où appuyer plutôt que des trucs dans le vent parce qu'on sait jamais. On sait jamais où est-ce qu'on doit appuyer au final. Merde, je pensais pas que j'étais aussi loin. Putain, je suis beaucoup trop loin là. Je vais retourner dans le vaisseau. Je pensais pas que j'étais aussi loin. Désolée, petite blague. Oh, c'est bien de plus glisser sur le sol quand on se pose. Qu'est-ce que c'est pratique? Ah, c'est chiant. Je vais finir par me tuer avec la porte. Bonheur, la chance, quoi. Roxy Live, la bataille des portes, c'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un champignon, c'est... Rantadoug. D'accord. C'est du Rantadoug. Ah, oh, c'est chiant ça, on n'a plus le l'outil de minage.
Alors, on va déjà essayer de collecter les trucs comme ça. Et on verra combien de thunes ça fait. C'est frustrant ça. Alors, vraiment, je refais ça cet après-midi. Je vois pas grand-chose. Vous entendez les bruits de roche? C'est qu'il y a quelqu'un? Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air dégueulasse. C'est pas un truc que je t'entraîne de manger, en tout cas. Y a du minerai partout, c'est frustrant. Je suis frustration. Bon, au moins il y a ça, je suis pas venu pour rien. Je ramasse des cœurs extraterrestres. J'essaie de retrouver le corps de Jean-Kévin, spéléologue amateur. Juste au-dessus de moi, mon vaisseau. À moins que j'ai loupé une entrée comme tout à l'heure, pour moi ici c'est un cul-de-sac. Donc on va revenir en arrière. Et on va explorer l'autre côté. Et je vais passer ma vie dans ces grottes parce que c'est le plus bel endroit du jeu. Tellement de gueule. Embranchements partout. C'est dingue. N'y a plus de trucs à récolter. Ah, là il y a un passage. Là c'est bouché. À récolter. Un petit glow stick pour voir ça. Ah oui, t'as raison. Je vais tester ça. Donc là, on a un passage. Hop.
T'as bien fait de me demander, Lixit. Ah, je l'ai sorti, ok. C'est pas mal. C'est absurde. Salut, TWX. C'est absurde la taille du truc. Oh yes, on peut grimper avec le stick en main, ça c'est cool. Censé pouvoir grimper là-dessus. Ah! Je crois que j'ai trouvé Bob. C'est pas Bob? Attends, il y a ça qui me fait chier apparemment. En mode spéléo, j'ai hâte d'être à ce soir pour tester ça aussi. Tu m'étonnes. Ah mais non, apparemment c'est pas notre Bob. J'ai chier. Je pensais que c'était notre Bob. C'est con parce que là, moi, du coup, j'ai pris à gauche ici, alors que le mec était à droite. Et donc, c'est pas notre Bob. Donc, ben, je vais reprendre à gauche. Je vais grimper. Et je vais essayer de sauter par-dessus les ravins. Alors, pourquoi là il y a des cailloux Oh, il y a des trucs à ramasser, j'avais pas vu. Il y a du crottin de cheval fossilisé. Ok, donc c'est pas par là. Ça, c'est là d'où je viens. Par là, il n'y a rien. Donc, ma seule option,
C'est ici. Wow! Ça a l'air immense ici. Ça a l'air gigantesque! Oh, vache! Alors il me reste combien? Putain, il me reste plein de place. Attends, en fait, je vois que dalle. Ah oui, il me reste. D'accord. Donc les petits machins à la con, là, on peut en ramasser. On peut en ramasser un paquet, en fait. Alors, ça a l'air d'être un passage voulu, ça. C'est complètement dingue! Oh merde! J'ai pas vu, il y avait un trou! Non, mais me dis pas qu'il y a un passage vers là. Genre. C'est immense! Mais le truc, t'as pas envie de tomber dedans, quoi! Alors, je vois qu'il y a un passage vers là-bas. On va essayer d'y aller. On va essayer de descendre les profondeurs de la Terre. Et mais t'es censé retrouver un pecno là-dedans? Comment je suis censé faire ça, moi? Jean-Kevin, le spéléo, comment je suis censé le retrouver, moi? Bonne chance, ça, tu m'étonnes. Parce que j'en ai pour toute ma vie, quoi. J'aurais peut-être dû prévenir ma famille avant de partir, tu sais, du minerai. J'aurais dû écrire une lettre d'adieu, c'est écoutez, je vais chercher quelqu'un dans une grotte, j'en ai pour 6 mois. Ah, tu m'étonnes qu'ils disaient qu'ils avaient envie de donner des trucs aux joueurs pour se repérer. Tu sais où est la sortie surtout? Ouais, ça j'aurais pas de problème, ça il y a vraiment. J'ai aucun souci avec la sortie, c'est très facile de s'y retrouver, c'est plus où est le corps, quoi. En vrai, la sortie sur ce genre de truc, tu peux pas vraiment te tromper avec la logique qu'il y a derrière. C'est. Ouais, non, trouve un corps, quoi, là-dedans. Mec, il peut être n'importe où. Ouais, des trucs ramassés. Cool. Mission à partager, lol. Ouais, effectivement. Tiens, d'ailleurs, petite précision. Pour ceux qui sont pas au courant, à la 3.7, toutes les missions ne seront pas partageables. Il y a seulement certains types de missions qui le seront. Donc ça, c'est un peu triste, mais. Mais c'est comme ça.
J'ai cru que j'allais me fiander. Bon, bah cette zone, normalement j'ai fini de l'explorer. Donc je vais pouvoir remonter. Et revenir en arrière. Pas marcher dans le trou. J'ai juste un œil là, par acquis de conscience. Donc je reviens à l'autre grande zone. Ah. Voilà, un truc qu'on n'était pas encore. C'est bien, justement, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits à visiter. Où ça galère. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il s'est passé un truc bizarre. C'est absurde. C'est absurde. Mais du coup, ça me fait me poser une question. En termes de jeux vidéo, est-ce que c'est pertinent de faire des grottes aussi grandes? C'est-à-dire que là, c'est génial, hein, niveau immersion, niveau mission entre joueurs pour faire des guet-apens, des trucs comme ça, c'est énorme. Mais est-ce que c'est pas trop grand, quoi? Comme dit en termes de jeu vidéo, c'est-à-dire que le jeu vidéo, faut que le joueur puisse savoir où il est à peu près, qu'il puisse reconnaître les choses, avoir des lieux familiers, des choses comme ça. Et là, je suis en train de me demander si c'est pas trop grand. Et qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Je voudrais pas être mauvaise langue, mais il y a peut-être moyen que le corps trouvé tout à l'heure était le bon, mais que la mission est juste buggée. C'est possible. C'est prévu par CIG pour que Roxy hurle, je suis perdue. Mais je ne suis pas perdue. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est que le vaisseau a pas l'air de se faire la malle, donc ça, c'est plutôt bien. À la veille, ouais, j'imagine que dans les grottes, ça doit être assez terrible. Puis faut penser à quand on pourra les aménager en repère de contrebandiers ou de pirates. Évidemment. Mais là, on est quand même sur quelque chose de... On n'est plus sur du repère de contrebandier, là, on est sur la base souterraine de méchants de James Bond.
C'est peut-être un peu grand pour une première itération, mais je pense qu'à terme, ça peut être cool d'avoir des grands espaces. Non, mais bien sûr, hein, de toute façon, c'est pas une critique que je suis en train de faire. Hein. C'est vraiment un questionnement, quoi. Bon, écoutez, je pense que, à mon avis, je vais aller retourner voir la famille de la personne disparue. Et je vais leur dire, écoutez, j'ai pas trouvé votre fils, mais j'ai trouvé plein de fruits. Voilà, pour votre peine. Et puis, je leur offrirai une corbeille de fruits. C'est ma passion dans la vie, ramasser des trucs. J'ai hâte de voir combien ça se revend en vrai ces conneries. Si ça vaut le coup de se faire un peu chier à essayer de ramasser. Bon, il doit y avoir une autre issue là que celle que j'ai prise, non? Il n'y aurait qu'une entrée là, je veux dire, juste de là où je viens. Ça m'étonne. Bon, bah si on peut commencer à faire demi-tour, c'est pas plus mal là. Effectivement. Bon, allez, on fait demi-tour. Et on va commencer à rentrer chez nous. Aïe, y a un crottin de cheval encore fossilisé. Ah, ça marche plus. Pourtant, j'ai encore plein de place. C'est cassé. Il y a des plantes. Bon. Bah, apparemment, je ne peux plus ramasser. Ça sent le 30K, ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible. Bon, bah, moi, je vais reprendre mon souterrain. Il est où? Où est-ce qu'il est mon petit souterrain? Je pense qu'on a fait le tour. Il est là. Je l'avais pas vu celui-là. C'est étonnant que je sois pas morte. Y a personne qui s'est cassé la tronche ici aussi.
Alors, non, apparemment il n'y a personne. Donc je vais essayer de ressortir d'ici. Hop. Bon, je pense vraiment que je veux dire mission échouée, tant pis. Je vais ressortir de la grotte et je vais essayer de revendre les trucs là que j'ai dans mon inventaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça sent vraiment le 30K là. Ah non, ok, c'est bon. Réussi. Ah, c'est pas encore ça, hein. Ça va falloir qu'ils améliorent. S'ils veulent qu'on fasse de la grimpette comme ça, faut vraiment l'améliorer. Peut pas se permettre de viser des endroits précis. Allez, grimpe. J'ai l'idée qui me démange. Bon, ça c'est très 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 pénible. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de place sur le rebord pour me permettre de grimper. Et c'est super chiant! Là, ça marche. Là, ça marche. Allez! Bon, bah, je vais créer une mission pour que quelqu'un vienne me retrouver. Ça va être ça, la suite de l'étape. Allez, genre, il y a la place. Non! Je crois que je vais devoir me suicider. À mon avis, là, je suis foutu. Tu peux revenir avec un multi-tool comme ça, ouais, je crois que ça va être ça. Mais c'est dommage, je pourrais pas revendre mes 24. 4 Amiochi Plague et mes 11 Ranta Wong. C'est dommage. Bon, bah écoutez, tant pis, je crois qu'on va arrêter là pour ce matin. Ton sac est sur toi et il n'y reste pas. En fait, il y a deux types de sacs. Il y a les armures prévues, comme ça, qui augmentent en fait la taille de ton inventaire. Et sinon, de base, en fait, toutes les armures ont un petit inventaire, mais qui sera plus petit que celui-là.
Je sais pas si c'est ça ta question. Et si tu meurs, ton sac reste avec toi. Donc son contenu. Alors non, le contenu disparaît. Tout à l'heure, je suis morte justement en me faisant exploser avec le rayon. Et j'ai perdu les objets qu'il y avait dans le sac. Donc justement, il commence à y avoir une espèce de d'intérêt à pas mourir. Bah, en fait, c'est le but du jeu. Hein. Ça a toujours été le but. Et ça va être de pire en pire. C'est-à-dire que au fur et à mesure que la permanence apparaîtra, tu perdras même ton armure et tes armes. Hein. Ça a été prévu depuis le début. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi je vais arrêter là pour midi, histoire d'aller manger un truc. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour la suite du voyage. Je vous souhaite un très bon appétit à tous et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao!